Salut tout le monde, c'est Faredj et je sens qu'on va commencer sur un combat dans la forêt de Cave Mock pour enquêter les mystérieuses perturbations. Ça c'est marrant ça comme chauve-souris, une chauve-souris végétale. Les perturbations de l'air qui font que ces plantes sont anormalement trop grandes. Donc c'est parti avec notre ami le chef des Simili, le membre de l'organisation 13 qui a survécu à Kingdom Hearts 3. Tin, 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 tin. Allez! Oh, joli Raven! Je l'aime bien comme perso. Alors, force et épée plus, super! Donc, comme tu as appris force et épée plus, maintenant je peux te changer et prendre Estoc. Super! Par contre, en termes de capacité, force, je le veux, donc garde magique, ça dégage. Et épée plus, je le veux aussi, donc qu'est-ce que je pourrais lui enlever? Garde critique, on va l'enlever. Épée plus. Voilà! Ça fait plus de dégâts, donc clairement c'est intéressant. Augmente les dégâts en consommant des PM. Ouais, je suis pas forcément pour là pour le coup, mais. Mais bon. Allez! Un seuil! Ah, j'ai plus de PM, c'était pro, il attaque pas. J'attends juste pour voir si. Non, je voulais voir s'il y avait moyen de faire une frappe fatale. Mais non, je l'ai loupé. C'est pas facile à placer les frappes fatales, mine de rien. Alors là, on peut descendre ou continuer. On va voir ça. Toi. Allez, allez. Ah, dommage. Je laissais faire les autres. En fait, le plus facile pour avoir des frappes fatales, c'est les attaques magiques. Et donc, il y a souvent des frappes fatales rouges à cause de ça. D'ailleurs, là-bas au bout, je crois qu'il n'y a rien, en fait. Je suis en train de me dire. Donc, c'est pas juste un coffre. On va voir. Allez, couchez! Alors là, c'est assez pénible la frappe ascendante parce que ça. Je récupère pas mes PM. Je fais des dégâts, puis je les. Enfin, je récupère un peu de PM, puis je les repère, puis je les regagne, puis je les repère. Donc c'est assez pénible. Faudra que je l'enlève dès que possible. Alors, qu'y a-t-il par là? Oh là, ça m'a l'air grand comme endroit là. Estoc, je l'ai déjà. Et c'est visiblement là le bon chemin. Donc ça a l'air qu'il génère ces aberrations botaniques. Il y a très probablement des poches d'air concentrées dans le coin. Oui, l'air trop dense peut avoir des effets néfastes sur les gens et sur les Blastia. Absorber trop d'air peut accélérer le métabolisme, ce qui entraîne un épuisement inhabituel. Wouah, tu en sais plus que je ne l'imaginais. C'est simplement du bon sens. Je m'attendais à ce que les gens connaissent les effets de l'air. Je ne m'attendais pas à ce que les. Je m'attendais à ce que les gens connaissent les effets de l'air sur le corps humain. Mais j'ignorais que l'usurpation. La sur. Je vais y arriver. Mais j'ignorais que la sursaturation en air des Blastia était une connaissance très répandue. Bah, tous les gens qui servent. Body Blastia le savent probablement. En fait, je n'en avais jamais entendu parler avant qu'Eritan me l'apprenne. Tu devrais arrêter de glander et de mettre un peu de nez dans les bouquins, petit. Alors, visiblement, vu qu'il y a une cinématique, là, ça m'a l'air d'être le bon chemin. Donc, on va explorer les autres routes. Ouh.
Alors, on va déjà aller par là. Voilà, c'est fait. Une gelée d'orange. Là en bas. Alors, effectivement, il y a des ennemis, mais est-ce qu'il y a un chemin? J'ai pas l'impression que le chemin continue. Ah, ou alors il continue. Ouais, il continue par là. Ok, donc bon, alors attendez. Attendez, attendez. On revient en arrière. On va aller voir là-bas, tout à gauche, qu'est-ce qu'il y avait. Parce que peut-être que le chemin descendait uniquement pour mener jusqu'à un coffre. Ne descendait pas tout court d'ailleurs. Ben non, c'est là-bas en face qu'on doit aller. C'est bizarre. Mais je rêve. Non, c'est. Mais j'ai vu mes PM descendre alors que j'avais pas attaqué. C'était bizarre. C'est là-bas en face qu'on doit aller. Il y a effectivement une surconsommation d'air par contre. Ouais, non, c'est bien ça. À chaque fois que j'attaque, je consomme un PM et je reprends un PM dès que je mets un coup. Alors, apprends attaque ascendante, ce serait bien. Donc, alors, c'est par là le bon chemin? C'est pas par là? Je bouge pas. Ah, putain. Alors, ok, en plus un nouvel arté c'est toujours bon à prendre. Bon, visiblement ça a pas l'air d'être la bonne route. Puisque ça n'a pas l'air de mener à cette condensation, cette zone où il y a la surcharge de l'air. Mais bon. Ok, tout ça pour arriver à un coffre. Alors j'espère qu'il y a un truc intéressant dans ce coffre. Fait mal, Raven. Quelle sera mon équipe finale du coup, comme on a deux nouveaux persos, mais force est de reconnaître que le petit Raven il fait mal, hein. Une fiole de faiblesse, ouais. Et ça continue encore. Ah, est-ce que ça mènerait. Ah, il y a un coffre là-haut. Oh là 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 là. Et finalement, c'est peut-être le bon chemin. Bon, si c'est le bon chemin, ceci étant dit, c'est pas très grave. Je visiterai les zones que j'ai pas visitées après le. Après la. Le combat de boss, probablement. Mais bon. Dans ce cas-là, pourquoi m'avoir mis une cinématique là-bas? C'était pour me tromper, pour me feinter. C'était bien joué, si c'est le cas. Et tu as appris attaque ascendante. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je t'enlève les stocks pour te remettre. Ah bah non! Ah bah non, si si, je suis forcément obligé de changer d'arme si je veux lui enlever la frappe ascendante. Oh, puis c'est pas grave, allez, on va faire avec. Patte de lapin, patte de lapin. Confortable au combat, ouais. Raven éventuellement. Ça augmente la chance, oui, mais. Non, bon, mais. Ok.
Non, 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 non. Alors là, voyons voir. Nye, je peux pas aller par là. Je ne peux pas encore brûler les buissons. Ok, bon, ben finalement, on va revenir en arrière. En espérant que les mobs n'ont pas repop sur le chemin. Ce serait assez gênant, je vous l'avoue. Non, là c'est le bon chemin. Ah, je sais pas. C'est le bon chemin là? Ça a l'air. Ou pas, aussi, ou pas. Si, si, ça a l'air, ça continue là-bas au fond. Là à gauche, je peux pas y aller. Non, bah, on va. Non, non, on va revenir en arrière. Toute la zone là. Tout là-bas. Voilà, là. Hey, can we get out of this forest sometime soon? Is something the matter? You look nervous, Carol. No way. What are you talking about? Whoa, check out this weird bug. I've never seen one this gross before. And yet, you don't mind picking it up like that? Hey, Carol, any idea what kind of bug this is? Keep that thing away from me! What's the matter? Huh? It's just that poor bug being manhandled like that. Let it go. It wants to be free. Really? Really. Allez, c'est parti au combat! Seuil! Ça suffit, oui! Et une fiole de poison, s'il vous plaît. Donc tout ça pour deux coffres. Ah, c'est un boss? Comment ça, c'est un boss? Ce n'est clairement pas un monstre ordinaire, c'est un giganto? Quand ça devient trop difficile, il vaut mieux parfois mieux prendre la fuite. Pourquoi? Un péril vert, c'est un giganto? Il n'y a pas de giganto ici, normalement. Enfin, pas comme ça en tout cas. 69 000, 63 000, pardon, niveau 34. Il craint le feu. On va voir. Ah ouais. Ah ouais. Ok. On prend la fuite. On prend la fuite, j'ai dit. Aïe, 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 aïe. Et on est censé prendre la fuite là. Voilà. Ah oui. Au revoir. Ah, c'était pas prévu ça. Ah bah pas mal. Alors là, je me suis fait surprendre pour le coup. Niveau 34 et je suis... Ah oui, bah oui, il a 10 niveaux de plus que moi, effectivement. Ah bon, d'accord, bon ben à noter, si quelqu'un peut le noter dans les commentaires ou ailleurs d'ailleurs, qu'on se souvienne qu'il est là lui. Qu'est-ce que tu fais Carole? Dépêche-toi de venir. Ouais. Ah, dégage, ne me touche pas, recule. Carole, Carole, ça va, ce truc s'est envolé. Oui, c'est vrai, continuons. Ah, le capitaine Carole a un peu changé, non? Tu trouves? J'ai l'impression qu'il plane autant que d'habitude. Non, il a quelque chose de changé en lui. Le Carole d'avant aurait trempé son pantalon ou filé à toutes jambes. Oh, maintenant que tu en parles, je crois que tu as raison. Oh, des insectes! Toute une nuée, attention! Oh, dégagez! Le pauvre. Mais pourquoi tu fais ça, mes yeux? Je voulais simplement t'aider à chasser ces nuées d'insectes. Je ne crois pas. Ah, j'ai cru que j'allais rester. Carole, t'as vraiment peur des insectes, n'est-ce pas? Quoi, moi, non, pas du tout. Ça va, Carole, inutile de jouer les durs. Tiens, prends ça, c'est de l'insecticide d'Espio, le plus efficace.
Ça te dérange pas? Pas du tout, mais attention à ne pas t'en servir près des gens, ça pique. Ah, alors je ne fais plus partie des gens, hein. Allez, en route! Après, l'Arte souffle l'insecte. Ok. Wow, Carol, when you freak out, you really freak out. Come on, everyone has a few things they're afraid of, don't they? Not me. Now, now, genius mage, it's not nice to lie. Even old Raven's got his own fears. What are you afraid of, old man? I'm afraid of pretty girls. What? Yeah, yeah. Rita, it's better to come clean. That way we can help you out. Like anyone needs your help. I can take care of myself just fine. Her type always has some of the worst fears. Yeah, whatever. Elle a la phobie de la disparition des Blastia. Alors, attendez, je vais où là? Je reviens en arrière? Oui, non, mais je reviens en arrière là. Ouais, je reviens. Oui, si, 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 je reviens en arrière. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai. Attendez, attendez, attendez. Eh oui, j'étais passé par là après. Oui, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis repéré. Je reviens bien en arrière. D'accord. Donc, tac. Du coup, la bonne zone, on a dit, c'était par là. Enfin, le bon chemin. Le truc, je suis passé deux fois devant lui. Il s'est jamais retourné, il a jamais bronché. Et juste cette fois... Ah, non mais je vous jure. Économie des gelées d'orange, le PID. Ok, bon, bah là je peux pas y aller, alors on va avancer. Hein. Oh, mais genre le truc il se retourne. Ah! Non, mais je vous jure, c'est quoi ces ennemis rebelles? Ces ennemis ninja? Ok. Hey, did any of you just hear a voice? I wonder where you're taking me, matey. Non, elle est encore là, elle. I've heard that voice before. Patty? What? Is she a friend of yours? We've got to help her. Yeah, yeah, just leave it to me. So you're still looking for Ifrit's treasure? Ifrit? Yeah, right. Treasure in a place like this? Who gave you that load of crap? The map making guild. World Seller tells me all sorts of things. After all, those lads travel all around the world. Is that why you went to Rago's mansion too? But the No, but a story that's 100% believable. Hmm, I suppose that's except that you're 100% fishy. Hey, no need to be mean now. Anyway, I've got to get back to my treasure hunting. If you keep wandering around all alone, you'll get attacked. That monster didn't attack me. We were playing together. I don't think the monster saw it that way. Hey, behind you. Ok. Moi, je pense qu'elle peut se débrouiller toute seule. Ouais, je suis comme Yuri, moi, on est d'accord. Man, I wish we could get out of here already. Don't get so flustered, boy. We'll get out of here nice and easy, you'll see. Not everyone leads a carefree life of unicorns and rainbows like you, you know.
Life is a lot like this forest. Winding paths, intertwining. Ah, this forest is really relaxing. Come on, let's leave our philosopher behind and get a move on. Listen to what I've got to say! So you mean we're lost in the forest of life? Oh, so you get what I'm saying. Before we find our way out of the forest of life, we need to find our way out of this one. I'll lead. I have found direction in this life more times than... Hey, wait! I'm not done yet! Ils ont trouvé quelqu'un d'autre sur qui se défouler. Ok, alors, s'il y a un point de sauvegarde ici, bah pour commencer, on va sauvegarder. J'imagine qu'il va y avoir un boss dans pas longtemps. Alors... Bah, en même temps, j'aurais dû m'en douter, ce coffre était trop évident. Même... Hey, il m'a bouffé. Même dans la cinématique, on le voyait, le coffre. Bon, tu vas te lever sinon? Et tout ça pour une fiole de limite. Ok, ça peut être utile. Non, ça y est. Mais ça y est. Voilà. Tac, tac, tac. Alors là, je pense qu'il n'y a pas 36 chemins. Enfin, j'espère en tout cas. Et juste quand je dis ça, forcément. Tac, tac. Bon, on va voir. Hein. En tous les cas, il n'y a que deux zones dans la forêt, ça c'est sûr. Non, il m'avait semblé entendre le bruit d'une frappe limite, mais j'ai dû rêver. Alors, voyons là. Un coffre avec une fiole d'esprit. Je crois qu'à droite, ça permet de revenir en arrière, mais je vais quand même aller vérifier par acquis de conscience. Bon, ça suffit, oui! Alors, ouais, là, ça doit être ça a l'air d'être le bon chemin. Donc là, en théorie, on revient ou pas en arrière. Mais ça veut dire que du coup, de l'autre côté, il y a forcément un coffre et que donc j'ai tout intérêt à y aller. Bon, en même temps, c'est ma faute, celui-là, j'aurais dû l'éliminer tout à l'heure déjà. Et tu as appris un nouvel arté, je vais passer un peu vite du coup, on n'a pas vu ce que c'était, mais c'est pas grave. Et donc là, je ne peux pas y aller de toute façon. Bon, bah voilà, le problème est réglé, je ne peux pas brûler le buisson. Donc ce sera pour une autre fois, quand on aura amélioré l'anneau du sorcier. Non, non, oh. Bon là, il y a un point de sauvegarde qui heal, donc c'est qu'on arrive au boss. Très bien. Bon là du coup je n'hésite plus sur les artés vu qu'il y a le point de sauvegarde juste à côté. Super. Voilà, on re-sauvegarde. Alors
Dun, 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 dun. This is the same phenomenon we saw at Heliord. The air is weaker than it was there, but there's... That monster looks just like the ones that attacked Dawngrest. Here it comes. Allez, c'est parti. Saleté. Soy. We have to get them before they get us. So it's a little tough. Let's just get it over with. I hope we only have to kill this one. Stay sharp. We'll lose our lives if we... Bon, si vous avez fini de discuter, on pourrait bien combattre aussi. Alors, combien de vie il a? 40 000, niveau 25. Bon, c'est jouable. Si j'arrivais à lui faire un... Une frappe fatale. Ouais, super. C'est bon. Frappe fatale, succès obtenu. Super. Comme ça, je vais pouvoir lui... Enfin, je vais pouvoir gagner plus d'expérience, plus de gal, plus de PA. Alors qu'est-ce que ça serait le... La mission secrète là. Je rêve ou il vient de se régénérer? Ah, il vient de se régénérer. Et 2-2. Allez, zou! Aïe. Coucher. Voilà, on est pas mal. C'était un bon enchaînement. Comme il en reste 5400. Ok. Et il y a moyen de lui faire une... Encore une frappe frappe finale. Aïe, oula, aïe. Ah, c'est bon. Ouh, c'était chaud, hein. Sur la fin, il est... Il s'est un peu déchaîné. Ah, j'ai plus assez de d'ingrédients pour les sandwichs. Bon, c'est pas grave. J'ai d'autres recettes, faudra que je regarde. Ah, so this is the end, huh? Farewell, all my dear fans. I'll make sure your gravestone reads, "Here lies the world's biggest sap." You're supposed to say stuff like, "We can make it through this together." Duke. Wait. Hmm? What is that sword? Let me see. How did you do that back there? You like slice through the air, but that's impossible. What good would that knowledge do you? Well, I mean, with something like that, we might be able... We saw that happen to Ablastia. The air was out of control. This was only a distortion. It is a natural occurrence. Distortion? Thank you so much for... Do not go near the air, Krennic. Huh? What do you mean, air Krennic? This... Air Krennic are the springs from which all air in the world comes. Springs of... Who are you? This isn't the kind of place you just go for a walk. We would have been dead without your help, though. That power...
Could it be the Rizomata formula? I can't tell anything from checking things out here. Hey, didn't that guy earlier say these were all over the world? Yeah, he did. We won't know anything solid until we find them and study them. So, I guess we're finished looking into things? Yeah, let's get back to Dongris to meet with the Don. Bien, ah ben on va le faire. Ah oui, je suis empoisonné. Fiole de poison, hop. Ah, non, pourquoi? Ah, c'est un poison bizarre. Ah, c'est de la contamination, ok. D'accord. Alors, hop, voilà, on est bien. Ce que je viens de faire est totalement débile, excusez-moi. Mais vu qu'il y a le point de sauvegarde qui est juste là, ce que je viens de faire est totalement idiot. Bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, on va s'arrêter ici. Et on ira parler au Don dans le prochain épisode. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, lâchez un max de pouces bleus si c'est le cas. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite. A plus tout le monde!